Me revoilà, excusez-moi. Donc, on va sûrement, je vais couper ma vidéo en deux à ce moment-là. Vous aurez en deux parties. Je crois qu'ils se construisent une base navale, mais j'ai un doute maintenant. Ah non, ils reconstruisent des défenses navales. Voilà. Ça va être une défense tech 2, ça. Alors, commandant, on voit plus étant donné qu'il est sous radar. Enfin, il est sous camouflage. Je sais plus comment ça s'appelle le type de camouflage qu'il utilise. En gros, c'est une amélioration que dispose Cibran pour se rendre furtif. Et à moins d'avoir un radar qui le voit, enfin un omni radar, pas possible. Mais bon, c'est pas encore trop dérangeant en soi. Nous vous envoyons le modèle du bouclier, commandeur. Attention, les boucliers consomment énormément d'énergie. Ouais. Modèle d'unité transmis. Voilà. Ça commence à prendre forme. Voilà. Vivement au niveau tech 2. Le bouclier de tech 2. Et l'avantage en fait de tout dégommer hors installation, c'est qu'ils produisent plus trop d'unités, ils construisent pas d'ingénieur en compensation. Ça doit être le commandant. Ça, c'est des lance-missiles Tech 2 qu'ils ont en temps normal. Pour moi, ça, c'est le commandant, ça. C'est ça. Vous ne pourrez pas me battre. Je suis immortel. Ah non. Il est pas immortel. Voilà, donc là en soi, je n'ai plus vraiment de menace à affronter. Sachez que cette vidéo là fait moins de 10 minutes, j'incorporerai à celle d'avant. Je préfère le préciser tout de suite. Donc je prends vraiment mon temps à ce moment-là. Ah, je sais ce qui m'attend, c'est bon, je me souviens. Ah, je vais pas vous présenter. Alors voilà, ça s'appelle le foudroyant, c'est une défense anti-missile tactique. Donc ça intercepte les missiles tactiques envoyés notamment par les lance-missiles mobiles. Donc renforcé par en bas, ça va permettre d'intercepter un certain nombre. Les croiseurs en sont équipés. Où est-il sur les croiseurs? Je ne sais plus où il est sur les croiseurs, mais je sais qu'ils en sont équipés. Commandeur, le docteur Sweeney est au laboratoire scientifique. Sauvez-le. Intercom terminé. Attendez. Je vais prévoir un truc. Je suis en train de me rappeler une chose là. J'ai un doute. J'ai un gros doute. Mais je préfère anticiper ce coup là. J'ai de 1 construire un générateur de bouclier, construire quelques défenses anti-aériennes. Il y a notre bouclier qu'on s'en permet de 200, celui-ci. Je vais construire mon petit transporteur habituel. Voilà. Et maintenant. Alors, les plateformes permettent d'approvisionner instantanément en carburant. Commandeur, le les labo a été capturé et nous sommes entrés en contact avec le docteur Sweeney. Il lui faut du temps pour trouver un véhicule. Nous vous contacterons quand il sera prêt. En fait, il sera prêt une fois que vous avez dégommé le commandant, en fait. Enfin, de mémoire.
Docteur Sweeney a un camion, capitaine, dont il vous a confié le contrôle. Amenez-le à la porte dès que possible. Protégez-le à tout prix. DERCOM terminé. Zone d'opération élargie. Je sais plus s'il faut dégommer le commandant avant ou pas, en fait. J'ai un doute. Voilà. Mais ça simplifie tellement les choses d'utiliser ces transporteurs aériens. Le docteur Sweeney est en sécurité sur Terre, capitaine. Les six branles l'ont un peu abîmé. Je vous remercie pour le coup de main. DERCOM terminé. Capitaine, ici la générale Clark. Sweeney nous a informé que le docteur Brackman est sur Minerva. Tuez ce vieux débile. Ne le laissez pas s'échapper. Nous ne pouvons pas localiser la position de Brackman. Les Cibrans brouillent le secteur. Il faut augmenter notre signal. Construisez trois systèmes radar SA-2-2000 aux points indiqués. Une fois activés, nous devrions pouvoir trouver Brackman. DERCOM terminé. Modèle transmis. Les Cibrans tentent d'intercepter le camion du docteur Sweeney. Éliminez la menace. DERCOM terminé. Le premier système radar est en ligne. Il en faut deux de plus, commandeur. DERCOM terminé. Ah, c'est ce que je craignais. Je m'en doutais qu'il allait attaquer un peu ma base. Deux radars en ligne, commandeur. Nous attendons le dernier. DERCOM terminé. Alors, on va prévoir les défenses déjà du radar. Hein. C'est avec cet appareil ici en bas. Ah, j'ai le droit à des bombardiers stratégiques. Vous avez les épaulés, tiens. Oh oh. Bah donc, les bombardiers stratégiques, ce sont des bombardiers équipés d'une bombe ultra puissante. Une petite protection Les gars, on va construire le radar. Alors, je vous conseille de faire une sauvegarde. Vous, si je me fais, c'est mon problème, c'est moi qui trinquerai. Parce que si jamais vous les perdez à ce moment, une fois qu'ils sont construits, vous devez recommencer. Le radar fonctionne normalement. Nous allons rescanner le secteur. Défendez les installations radar jusqu'à la fin de l'analyse. DERCOM terminé. Là, il y en a deux qui seront jamais construits pour des stratégiques. Nous affinons la recherche, commandeur. Nous devrions bientôt savoir où se planque Brackman. DERCOM terminé. Voilà, le temps est là où j'étais en train de chercher où était la durée qu'il fallait. Donc les Francs sont vraiment géniaux pour la défense terrestre. Nous l'avons trouvé. La base de Brackman est dans le sud-est. Pulvérisez-la. Ne laissez rien debout. DERCOM terminé. D'accord. Zone d'opération élargie. Sauf que vous allez voir ce qu'ils nous envoient. Commandeur,
Un convoi d'ingénieurs a quitté la base de Brackman. J'ai oublié qu'il y en avait 3. Vers la porte. Détruisez-le avant qu'il expédie sa cargaison ou remonte. Vercom terminé. Bon sang, commandeur, nous ne savons pas ce que c'est, mais ça se dirige vers votre base. Détruisez-le. Ce sont des prototypes. Vercom terminé. Doom et bombardier stratégique. Voilà. Voilà. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi. Vous avez éliminé tous les ingénieurs, commandeur. Espérons que cela ralentira les cybrans. Vercom terminé. Ah, les générateurs de tech 3. Je pense que maintenant vous comprenez mieux pourquoi je me suis donné tant de mal. Général Clark peut vous voir sur Terre. Retour au Bercail. Vercom terminé. Bon, je ferai une bon seule travail, vidéo. Commandeur. Les infos sur les virus que vous avez obtenus pourraient nous protéger des cybrans. La prochaine fois, Brackman ne nous échappera pas. Et voilà. Donc, mon bordé stratégique nous a un peu sauvé la mise. Cherchant à trouver une solution au virus, c'est bon. FTE a envoyé Capitaine Thibault sur Minerva, la plus grande des coniques connues. Et le capitaine, malgré les attaques constantes de Cybran, a découvert les données concernant le virus et a également sauvé le docteur Eric Sweeney, qui avait été kidnappé lors du combat sur Capella. Le docteur Sweeney détient d'autres informations, le docteur Brackman en personne était sur Minerva. Malgré de valeureux efforts, Brackman est parvenu à s'enfuir, mais son laboratoire de recherche s'était détruit. Avec le retour et la mission accomplie du capitaine, la FTU possède tous les outils nécessaires pour continuer le combat contre les ennemis de la Terre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie, je vous dis à une prochaine fois, portez-vous bien. Et à ciao tout le monde.